La vie est géniale. Oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Si tu as le doute, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Si tu penses que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est parce que tu fais quelque chose constamment que tu n'aimes pas. Et c'est le cas de beaucoup de personnes à l'heure actuelle, bloquées dans un boulot qui ne leur correspond pas. Si c'est ton cas, qu'est-ce que t'attends pour partir? Qu'est-ce que t'attends pour vivre la vie souhaitée? Quitte ton boulot. Est-ce que tu te trouves dans une relation où t'as l'impression de stagner, de ne pas avancer? Tu te sens perdu, tu te poses plein de questions, mais est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est ça une relation heureuse? Si tu te poses ces questions, c'est bien. Mais si tu n'agis pas, ça ne sert à rien. Donc oui, quitter un boulot, c'est des risques. Oui, quitter un boulot, il peut y avoir plein de complications. Comment je fais pour payer mon loyer? Comment je fais pour payer mes factures? Ton loyer, tu peux déménager. Donc les solutions, elles sont là. Les difficultés vont être présentes. La question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes dans la situation dans laquelle tu te trouves qui ne te convient pas? Ou est-ce que tu fais en sorte d'aller vers cette difficulté, de l'affronter, de t'en servir, de créer des opportunités nécessaires pour vivre la vie souhaitée? Personnellement, je préfère foirer mes projets plutôt que ne rien faire en fait pour aller dans cette direction. Je préfère foirer dans la vie plutôt que d'avoir le regret à la fin de mon existence sur mon lit de mort en me disant « Ah tiens, si j'avais tenté ceci, ah tiens, si j'avais fait cela, si, si, si. » Juste fais-le. Juste va droit dans le mur. Et c'est ok. Tu te relèves et tu recommences. Si tu ne réussis pas ce que tu souhaites entreprendre, c'est parce que tu as abandonné trop tôt. C'est la seule raison. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu as abandonné trop tôt. Si tu continues, si tu vas de l'avant constamment, tu ne t'arrêtes pas, tu réussiras à un moment donné. Il y a des gens, il leur faut un an pour réussir un projet. Il y en a d'autres, il leur faut 10 ans. Il y en a d'autres, il leur faut 50 ans. Juste regarde les stars de cinéma. Regarde Denzel Washington. Un des acteurs les plus connus à l'heure actuelle, et il lui a fallu combien de dizaines d'années avant d'être célèbre? Et chaque jour, il bossait sur ses projets. Chaque jour, il n'a pas lâché. Des difficultés, bien sûr, il en a connu. Comme tout le monde. Même si tu restes dans ta petite routine au quotidien, il va y avoir des difficultés. Mais est-ce que ce sont des difficultés qui t'aident à vivre la vie souhaitée? Ou plutôt ce sont des difficultés qui pourrissent la vie? Parce que t'as le choix à nouveau, t'as toujours eu le choix et tu l'auras toujours. Certes, parfois, c'est plus compliqué. Mais si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir. Donc juste, va de l'avant. Va de l'avant. Vis la vie souhaitée et n'attends pas. Donc en attendant, passe une bonne journée, prends soin de toi et on se voit bientôt.